Mince, on va arriver. Voici une petite fille qui, de 3 ans qui meurt pour rien comme ça. Regardez comment elle était joyeuse. Franchement, pour 500 francs. Je vous dis, 500 francs, un policier se permet de tirer sur une petite fille qui est à l'arrière de la voiture avec son papa devant parce qu'il a demandé 500 et le gars a dit qu'il n'a pas. Nous sommes comme ça au Cameroun, au sud-ouest du Cameroun, dans la ville plus précisément de Boya. Les populations sont extrêmement fâchées. Ils ont décidé d'encercler la maison du gouverneur du sud-ouest. Oui, c'est au Cameroun que ça se passe. Vous êtes sans ignorer qu'au Cameroun, dans ces zones-là déjà, la paix n'y règne pas vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, rendez-vous compte qu'un scandale de ce genre, ce que ça peut encore causer, les choses risquent de dégénérer. Franchement, c'est trop. Trop, c'est trop. Faites passer, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ce policier avait dans la tête, mais franchement, il doit être sévèrement puni. Tirer sur un enfant comme ça, là, pour rien, à cause de 500 francs. 500 francs, les amis, je vous dis. Mais où va le monde? Où va le monde? Que font les autorités au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Et il paraît que c'est récurrent ce genre d'acte. Si ce n'est pas un enfant, c'est un jeune homme. Si ce n'est pas un jeune homme, c'est une femme. Franchement, faites passer le message. C'est récurrent, c'est très récurrent au Cameroun. Entre-temps, on n'a toujours rien comme résultat. Personne ne bronche, personne ne dit rien et les choses passent toujours. Mais la population au sud-ouest, plus précisément à Boya, est très fâchée et très remontée. On attend la suite. Ciao, ciao.